Alors là, on va décharger les arbres qui viennent de la vallée au Loup, que Franck Pizzali nous a gentiment prêté. Enfin, Franck, le département des Hauts-de-Seine, précisément. Mais on remercie Franck Pizzali. Et donc, je suis avec Vincent, avec son joli sweet saumon. Voilà. Alors, et t'as loupé, il a entouré un des arbres. D'accord. Et Jean-Yves Moreau. Ah, t'es où ? Donc, voilà, on est en train de décharger. Donc là, c'est le Lacer palmatum de la collection. Et on va l'installer pour... Je vais t'aider, attends. On va l'installer pour l'instant dans le pavillon des bonsaïs, du parc floral, en attendant de pouvoir le mettre en place dans le pavillon 18 pour l'expo. Bon, de toute façon, c'est provisoire, c'est jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain. Et alors, il faut qu'est-ce que vous m'avez dit qu'il fallait dire à Franck qu'on a cassé le pot voilà. De l'orme, c'est ça? Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le kintsugi? Ah ouais, j'adore. Bon, bah alors, donc on peut casser les pots, c'est ça que tu es en train de dire? T'as repeint les feuilles, super. Oui, génial. Ouais, elle commence à prendre les couleurs automnales en plus, c'est top. Une heure préparée quand même. Et il nous manque le pain, bah alors on va chercher le pain, on va chercher le pain. Alors le pain d'ailleurs, entre parenthèses, c'est le pain blanc Pinus pentaphylla de la collection de Rémi Sanson, celui qu'on appelle, qu'on a appelé avec Julien la petite main de Bouba, de Bouddha, pardon, la petite main de Bouddha, et qui est le petit frère de la fameuse main de Bouddha de Rémi Sanson. Et je vais vous filer un coup de main peut-être là. Je sais pas si t'es assez costaud. Ah ouais, moi aussi je me pose des questions des fois. Alors pour ceux qui comme moi ont découvert le bonsaï dans les années fin 80, début 90, c'est le petit frère de la fameuse main de Bouddha de Rémi Sanson. Et qui vient de la même collection en fait. Bon là par contre, attends, je pose la cam, je vous aide. On a une responsabilité. Waouh. Et puis, on va travailler avec Franck dans le futur. Bien sûr, oui. Ok. Bon, par contre, oui, il faut le sécuriser un petit peu. Du cèdre ? Ouais. Fais gaffe, Jean-Yves, ouais. Et donc ces trois arbres de la collection de la vallée au Loup seront présentés dans sur des blocs en bois qui ont été créés spécialement à cet effet. Et ils seront présentés avec les arbres de Gaby Becker, avec deux arbres de Gaby Becker, le Saulieu et le Minorque. Ouf, ben c'est du boulot. Bon, moi j'ai pas fait grand chose, hein, mais c'est du boulot quand même. Alors je rappelle que l'entrée de l'exposition, c'est bien le pavillon des bonsaïs et qu'il ne sera accessible que samedi à partir de 10h. Donc samedi à partir de 10h, on se retrouve ici pour l'entrée de l'expo à Bonsaï Culture au Parc Floral. Et les trois arbres de la vallée au Loup, par contre, seront dans le pavillon 18 derrière, puisqu'il y a toute une zone d'exposition que vous découvrirez quand vous viendrez. Je vous dis à demain. Et alors Léon vous retrouvera samedi quand vous arrivez. Il est là, c'est lui qui fait l'accueil.